بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Et un privilège que d'ouvrir cette deuxième session des MD Talks placée sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohamed VI. Organiser un grand événement à Dakhla consacré aux ouvertures diplomatiques et au développement des provinces des cathédrales, d'où sortaient des flux d'encre et de papier et de lignes. Messieurs les ambassadeurs, monsieur le consul, mesdames et messieurs les présidents et directeurs généraux des institutions et structures publiques et privées, reconnaissance et une grande consécration pour notre groupe média, mais aussi une lourde responsabilité. Si le Maroc a réalisé des progrès manifestes, mondialement reconnus, le modèle de développement national, en revanche, s'avère aujourd'hui. Sur la scène, le professeur Amin Laridi, expert international en diplomatie économique et stratégie, pour la lecture du message de loyauté. Alors pour rendre hommage à la lettre, je demanderai en fait à l'auguste salle de faire le message. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين برقية ولاء وإخلاص إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده تربتم عليها برعايتكم السامية يا مولاي بأن يرفعوا إلى السدة العالية بالله أسماء آيات الولاء والإخلاص والوفاء. La crise n'est plus une exception. Le monde aujourd'hui est en pleine restructuration, en pleine déstructuration et restructuration permanente. Vous avez souligné les différents moments pendant lesquels Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, a victoire. Et on voit combien aujourd'hui les acteurs, que ce soit les acteurs gouvernementaux, les acteurs de la société. Entre 1991 et 2021, dans le monde, il s'est créé 1,2 milliard de nouveaux jobs. Le digital est un facteur de création d'emplois et de jobs incontestables. Ça, c'est le premier. Et grâce à la digitalisation, donc je pense que ce n'est plus à démontrer. Ce que je souhaite, c'est adresser cette thématique. Dire que, heureusement, dans notre pays, grâce à Sa Majesté le Roi, que Dieu le garde, la femme, elle est respectée, elle est protégée. Nous avons réalisé des avancées. Aujourd'hui, on est à la recherche de la productivité, on est à la recherche de la compétitivité et on est à la recherche de la performance. Le passage de l'examen théorique et pratique pour l'obtention du permis de conduire et également la gestion du capital de points. C'est une thématique d'importance vitale, une thématique liée à pour la décarbonisation et ça tombe bien puisque la troisième édition va traiter de cette thématique. Directrice générale du Maroc diplomatique, distinguée invitée d'honneur, mesdames et messieurs. Tout d'abord, permettez-moi d'exprimer la fierté de la Fondation Konrad Adenauer de s'allier et de créer un partenariat avec Maroc Diplomatique pour lancer le premier MD Talk. Aborder dans ce premier panel la question du digital comme étant un pilier de développement économique, social et humain. Très contente d'être parmi vous aujourd'hui. Je remercie Maroc Diplomatique pour cette belle thématique. Effectivement, le Technoparc a fêté ses 20 ans. Très très vite, en fait, la crise de Covid nous a fait passer d'un débat de sensibilisation de l'intérêt de la digitalisation vers un débat
la première de plusieurs crises, c'est-à-dire qu'on continuera à connaître des crises. Et donc, il faut absolument renforcer la résilience de notre tissu économique. D'abord, analyser ce process. Quand on parle d'une autorisation administrative, il faut vraiment analyser. Parce qu'on a toujours taxé l'IT et le digital d'être une activité masculine. Là, nous sommes en train de prouver le contraire. Donc il y a un cliché, et donc plutôt que d'encombrer les médecins et radiologues par l'appréciation de ces clichés, ça passe par une plateforme. Aujourd'hui, Google et autres, et donc souveraineté digitale à 100%, ça n'existe pas. Et donc c'est quelque chose d'extrêmement important. Troisième sujet qui me tient à cœur, c'est le cloud first. Nous avons aujourd'hui Huawei parmi nous. Huawei en fait un use case extrêmement intéressant. J'étais émerveillé d'être à la messe de la technologie mondiale à Barcelone. Aujourd'hui, l'Afrique est un continent qui offre énormément d'opportunités. Bien sûr, bon, tout ce qui est numérique aujourd'hui depuis 2015, avec les procédures dématérielisées. Qui est différent, ce qu'on appelle les espèces, des écosystèmes. Et notamment aujourd'hui, je consens à ce que quand vous me dites moins de communication et plus de contenu, du jeune âge jusqu'à l'entrepreneuriat et également du côté des investisseurs qui ne connaissent pas nécessairement le venture et se dire bon ben je vais investir dans ce petit jeune, c'est pas grave, les billets, tout un écosystème. À ce grand chantier, parce que j'imagine que nombre de personnes, même s'il n'y a pas unanimité. La structure va jouer un rôle fondamental. Il ne suffit pas de... C'est l'économie numérique qui est importante aujourd'hui. Aujourd'hui, la croissance économique dans plusieurs pays dans le monde, elle est basée sur l'économie numérique. Vers à moitié vite, il y a des choses qui ont été là parce que... Sur la partie digitale, il y a deux points où on peut véritablement faisait déjà beaucoup recours à la numérisation avant qu'on parle de digital. Très très bonne question. J'allais vous rebondir très très vite en disant... Alors, bon, on peut toujours... C'est pour ça que je vous dis, si on avait fait ça pour les ports, on n'en serait pas sorti. Donc, aujourd'hui... Il ne s'agit pas de numériser l'existant, mais de changer fondamentalement la manière de faire. D'une thématique très importante qui est donc la digitalisation, enjeu stratégique au niveau international et pas uniquement pour le Maroc mais pour les autres pays. Donc un dernier café, le café qui ne serait pas le café de l'adieu mais le café de l'au revoir, parce que l'au revoir c'est le 21 juin à Rabat pour la deuxième conférence de ce cycle sur la régionalisation avancée pour l'intégration régionale. Merci à tous.